que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons vous remercier infiniment pour grâce qu'on fait nous, parce qu'on a nos possibilités pour nous porter parole à Philadelphie matin. Nous demandons pour galvaniser ça là par l'Esprit son. Permettre que tout ça nous voit Dieu sortir de vous parce que nous n'avons pas de qualification. Mais les gens qui ont pour parler pour vous, pour faire un travail quelconque pour vous, ou toujours qualifier d'avance. Permettre que parole ça vous parle prononcer, c'est pour gloire non et pour édification chaque petit tout. Dans nom Jésus, nous prions et pour gloire non. Amen. La sagesse de Dieu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Et avant Jésus, avant Paul fait déclaration ça, dans verset 7, 8 là, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Avant Paul fait déclaration, bagaille que bon Dieu réservait, eh bien, Paul dit que lui a prêché la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, qui sont mystères. Mystère, pas dans le sens, il y a un bagaille qui peut faire peur, mais dans le sens caché, dans le sens voilé. Donc, c'est des bagailles qui voilé pour un pile monde, que bon Dieu t'a réservé pour nous avant des siècles. Et c'est ça que fait Paul dit. Chef siècle ça yo, yo pas capable connaître. Et si yo te connaître, yo pas ta crucifier Jésus. Si yo te gain connaissance de bon Dieu, si yo te connait Jésus ça que t'es présent dans mitan yo, yo pas ta crucifier. Parce que yo t'a connaître le représentant direct de Dieu, c'est bon Dieu lui-même qui présent, yo pas ta crucifier. Et bon Dieu, li pas permettre yo gain connaissance pour yo ka crucifier Jésus pour que l'humanité capable sauver. Amen. C'est Jésus qui dit, scandale la privé, mais malheur à qui moun, qui permet ce scandale la l'irrivé. Donc, après déclaration sa fin faite, Paul dit comme il est écrit. Alors, le Paul dit comme il est écrit, nous cherchons dans tout Ancien Testament. Merci. Nous gardons dans tout Ancien Testament, dans tout Nouveau Testament, nous pas ouais, il est écrit ça. Nous parlons côté Paul Joanne, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont montées au cœur de l'homme. Parce que quand il dit il est écrit, il faut joindre l'idée qu'on côté. Paul a une façon de parler. Il y a le Paul dit, voilà ce que le Seigneur a dit. N'est pas vrai? Ou bien il dit il est écrit. Donc l'elle dit c'est le Seigneur qui l'a dit, Jésus dit. L'elle dit il est écrit, ou bien regarder dans l'Ancien Testament pour joindre lui. Et le Paul Abdi on bagay, c'est pas ni en Ancien Testament ni c'est Jésus qui te dit, ni dit c'est moi qui dit. Mais l'elle dit c'est moi qui dit là, ça pas veut dire va inspirer. Il voulait dire que il porte codi dans l'Ancien Testament et Jésus l'elle te souté al pas de codi ça tout, ça que m'a dit nous. Mais ça pas veut dire que il pas inspiré. En pile monde toujours dit Paul dit c'est lui qui dit. Là Paul dit c'est lui qui dit là. Paul voulait dire, lui pas dit déjà dans cet testament, et Jésus pas dit rien sous lui, et bon Dieu révélé lui par le Saint-Esprit pour me dire nous. Ça pas voulait dire que c'est Paul qui dit, c'est parole personnelle Paul. Non! Je voulais que nous tenions compte de ça matin. C'est pas parole personnelle Paul, là Paul dit, c'est moi qui l'ai dit. Paul voulait dire, Jésus pas dit, en cet testament, lui pas dit, mais bon Dieu révélé lui pour me dire nous. Pas grand rien que Paul dit, qui va inspirer du Saint-Esprit. Parce que Paul n'a pas parlé pour lui, mais Paul t'a parlé pour le Seigneur. Nous pas joindre texte ça aucun côté dans la Bible. Et en pile monde, en pile exégète, il a dit, mais côté Paul, joindre bagaille ça, il dit comme il est écrit.
Bagay Paul dit a nous toujours tout mal interprété parce que nous toujours dit bagay, nous prenons texte ça pour bagay bon Dieu réservé pour nous dans ciel là. Texte ça pas grand rien de ciel là-dedans. Est-ce que l'église avait m'a prélit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélés. Et que l'église avait. Bon Dieu révélé, ça se dit dans verset 9 là. Dieu nous les a révélés, car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, à travers l'esprit de Dieu, bagaille que, qui pas jamais monté dans le cœur moun nan, bagaille que Dieu pas jamais moué, bagaille que Dieu pas entendu, bon Dieu révélé. C'est pas bagaille qui dans le ciel. Souvent, nous toujours dit, c'est les merveilles du ciel. Il y a des bagailles, mon Dieu, réservées pour nous dans le ciel, là, nous ajouter. Texte, ça va y un ciel là-dedans. Est-ce que nous avons, et vérité, n'a prêché, nous aimons la vérité, ou bien nous aimons que ça ne te connaît pas bon? Hein? Ok. Donc, ça, nous te connaît, nous pensons que c'était dans le ciel. Paul dit, le verset 10, ça, Paul éclairé, lui, Dieu nous les a révélés. Ça veut dire, pour secret encore pour chrétien. Ça que j'aurais pas jamais entendu, ça, Dieu pas jamais oué, ça que pas jamais monté dans que l'homme, non, li pas un secret encore pour chrétien. Li un secret pour le monde. Nous avons vrai? Mais pas secret pour monde qui a servi bon Dieu. Paul dit que son sagesse bon Dieu, c'est un secret pour monde qui pas connaît bon Dieu, mais ses connaissances, li révélé à tout monde qui connaît bon Dieu. Le monde pas connaît connaissance ça yo. Le monde pas connaît qui ça bon Dieu a fait avec nous. Le monde pas connaît le plan de Dieu pour l'humanité, mais nous chrétiens, nous connaît plan bon Dieu. Ça Paul le dit c'est que yeux naturels pas capable comprendre ni. Oreilles naturelles pas capable comprendre ni. Cœur naturel pas capable comprendre ni. Connaissance bon Dieu. La vérité sous bon Dieu. Eh bien, yon moun ki gon cœur naturel, yon moun ki gon yeux naturel, yon moun ki gon oreille naturel ou pas capable comprendre ni. Faut gen un yeux spirituel, faut gon oreille spirituel, faut gon cœur spirituel pour comprendre ni. L'homme naturel pas capable chercher bon Dieu. L'homme naturel pas capable découvrir bon Dieu, ni extérieurement, ni intérieurement. L'homme naturel pas capable découvrir bon Dieu, ni objectivement, ni subjectivement. Qui ça me l'a dit? Ni les méthodes scientifiques, c'est-à-dire, ni les sciences exactes, ni la philosophie, ni la science expérimentale, ni les sciences sociales, méthodes ça y'a pas qu'à faire contre bon Dieu. Bon Dieu, bon moyen pour permettre que l'homme connaît vérité. Et c'est ça que fait les scientifiques. Ils ont utilisé toute astuce qui gagne. Ils ne sont pas capables de découvrir la vérité sur Dieu. Là, nous parler de recherche extérieure, n'a parlé de l'empirisme. Empirisme, c'est une recherche scientifique qui commençait par observation. Et après observation, on joigne, ça nous relaie expérience là. Et c'est lié à utiliser dans le pays, par exemple ici aux États-Unis. Ils ont observé en pile. Ils ont mis les bagages en observation avant pour joindre la vérité qu'il a donné. Ils ont mis en observation après ça pour être capable de faire expérience là-dedans. Donc, recherche ça que l'empiriste est utilisé à son méthode sous son ouais et sous son tendé. Donc, les hommes qui ont fait des découvertes, les hommes qui ont fait des inventions sous sa ouais et sous sa tendé. L'église avait moi? Les hommes qui ont fait découvertes sous sa l'étendé et sous sa ouais. Mais comme la Bible dit, c'est bagaille que l'homme pas jamais tendé. Que l'homme pas jamais ouais, ça veut dire que les choses de Dieu, les hommes scientifiques pas qu'à faire recherche sur lui. Parce que les hommes scientifiques ont fait recherche sur ça ouais et sur ça tendu. Et si l'homme fait recherche sur ça ouais, sur ça tendu, et aussi l'homme pas capable de découvrir dans le cœur tout. Parce que le texte l'a dit, qui pas jamais monté dans le cœur.
Mais nous est que nous est le rationalisme. Ou pas qu'à découvrir vérité sous mon Dieu par la raison, par la logique. Ou pas qu'à dire, ou pral jouer une vérité sous mon Dieu par A plus B. Non. Ou qu'à jouer une vérité sous mon Dieu à travers la Bible par le Saint-Esprit. Mais pas A plus B. A plus B a mené dans la mathématique, A plus B a mené dans l'autre bagaille, mais pas sur le plan spirituel. Les choses que yeux pas jamais ouais, oreilles pas jamais entendaient et qui pas jamais monté dans le cœur monde, qui ça veut dire? Ça veut dire que connaissance bon Dieu ou pas observable. Ou pas rentrer dans le laboratoire pour découvrir bon Dieu. Ou pas rentrer dans le laboratoire pour chercher bon Dieu. Ou capable d'entrer dans le laboratoire pour chercher son tendez, pour chercher son ouais. Ou bien nous rentrer dans le laboratoire pour chercher ça qui monte dans le cœur. Pour capable observer. Mais ou pas capable d'entrer dans le laboratoire pour chercher bon Dieu. L'homme n'est incapable pour découvrir vérité sur bon Dieu par la raison. Et c'est deuxième source de recherche que l'homme gagne, c'est le rationalisme. L'homme gagne deux grandes sources de recherche. Deux grandes sources de recherche, c'est l'empirisme et le rationalisme. Pour être capable de faire recherche. Et c'est ça qui fait en pile dans nous qu'on est bien. En pile dans nous qu'on est bien objectif université. Pour qui ça université là? Qui objectif université? Est-ce que vous avez dans l'académie qui objectif université? L'homme est entré dans l'université qui objectif. Objectif université, c'est la recherche de la vérité. Et deuxièmement, c'est la défense des droits. Quelque soit dans l'université qui gagne sous la terre. Et ça qui fait le grand problème dans le pays, c'est l'université qui réfléchit pour le bail, solution à problème. Si l'université n'est pas réunie, pas de pays. Si grand problème là, l'université doit réunir ou attendre que grand pile professeur qui a prononcé, grand pile monde qui dans l'université qui a bail opinion, sous question pour nous capables de faire une solution. Donc, objectif université, c'est deux bagailles, c'est recherche de la vérité et la défense des droits. Qui vérité? Nous sommes chez les Paul Rivé, il a écrit dans le poteau, à un Dieu, hein? À un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Paul dit, c'est Dieu ça même, Dieu inconnu, ça me vient de parler nous. C'est de Dieu inconnu, ça me vient de parler nous. Si vous avez un scientifique, vous avez dit qui vérité le prêcher. Qui vérité la parler. Vous avez dit, mais vérité la chercher le bagage maintenant. C'est vérité sous bon Dieu. La défense des droits. Je dis, il n'y a pas de monde qui défend les droits. Dans le monde entier, il n'y a pas de monde qui défend les droits. Si tu as un monde qui défend les droits, tout le monde s'est mouru en Ukraine là. C'est toute la ceinture de monde qui a mouru en Ukraine. Il n'y a pas de monde. Hein? Donc ça veut dire pas qu'un côté pour défendre droit monde vrai encore. Donc le monde livré à lui-même, le monde a détruit tête lui. Mais nous quoi nos bagages nous-mêmes, bientôt ça finit. Bientôt ça finit parce que Jésus a retourné. Méthode scientifique yo qui ça a fait l'empirisme ou le rationalisme, yo toujours conduit monde pour détourner de vérité qui c'est bon Dieu. Connaissance toujours détourne le monde de mon Dieu. Connaissance rend le monde l'estomac gonflé. Connaissance rend le monde orgueilleux. Connaissance pas permet le monde de joindre. Bon Dieu vraiment, parce que connaissance toujours détourne le monde de la vérité. Parce que yeux naturels, oreilles naturelles, cœur naturel, est incapable de découvrir bon Dieu. L'homme naturel pas capable de découvrir bon Dieu. Et c'est ça qui fait connaissance sous mon Dieu. Les hommes pas connaissent et ça qui fait yo crucifié Jésus. Mais vérité sous mon Dieu, plan bon Dieu, sagesse bon Dieu, li pas caché pour chrétiens. Sagesse bon Dieu pas caché pour les croyants, li pas caché pour les enfants de Dieu. Parce que les chrétiens, yo pas chercher bon Dieu par une méthode empirisme. Yo pas chercher bon Dieu par le rationalisme. Mais yo chercher bon Dieu à genoux. Il a cherché mon Dieu à travers le Saint-Esprit et il a trouvé mon Dieu.
Et c'est ça que fait. Bagay sa ou, c'est bagay qui prépare pour moun qui remet bon Dieu. Li inutile et li impossible pour que l'homme découvre bon Dieu. Li même. Nous même qui la matin, ce n'est pas nous qui venons de bon Dieu. C'est bon Dieu qui a cherché. C'est bon Dieu qui vient de joindre nous. Naturellement, li impossible pour nous régler à faire bon Dieu. Si c'est nous même qui pouvons prendre décision pour nous vivre la matin, les gens nous nous dans le sommeil. Et tirer d'ap de qui est là. Mais c'est bon Dieu qui fait nous vivre là. Et si bon Dieu fait nous vivre là, pour qui ça ne pas faire toute l'humanité vini? Pour qui ça bon Dieu pas faire toute l'humanité vini? Bon Dieu juge nécessaire que ou même moi-même nous gagne cœur pour nous servir lui mène nous vienne servir. Et c'est ça qui fait pas qu'il y a quel monde bon problème en dedans là. Servir bon Dieu dans la paix. Faire volonté bon Dieu dans la paix. Vivre pour bon Dieu, frères et sœurs. Vivre pour bon Dieu pendant toute existence. Parce que l'est nécessaire pour servir bon Dieu, l'est nécessaire pour marcher avec bon Dieu. Ça que l'homme n'est pas capable de joindre, bon Dieu offre à l'homme. Ça que l'homme n'est pas capable de joindre, bon Dieu lui offre à l'homme. L'homme n'est pas capable d'aller avec bon Dieu par lui-même, mais bon Dieu vient joindre l'homme. Nous rappelons les Adam et Eve fin péché, qui ça a fait? Ils ont quitté bon Dieu. Ils ont fait qui ça? Ils ont quitté bon Dieu, ils ont allé. Et qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu a cherché. Combien de fois moi-même avec vous nous quitté bon Dieu? Hein? Ce n'est pas là que y a cherché nous, pas nous, nous quitté bon Dieu. Nous connaissons nous quitter bon Dieu. Ah! À Dieu le plaise, nous, yon qui la matin, nous pas quitter bon Dieu. Mais il y a un monde qui connaît dans l'église là, yon quitté bon Dieu. Donc souvent, nous prenons un monde qui quitte bon Dieu, c'est monde qui cherche de yon, c'est monde qui quitte l'église, qui pas venir l'église qu'on a cherché, nous dit quitter bon Dieu, alors que 99% de nous, malheureusement, qu'on quitte bon Dieu, alors que nous venons l'église. Gardez la vie. Gardez comment y est. Où est-ce que matin, vous quittez bon Dieu? Est-ce que matin, vous avec bon Dieu? Mais même lorsque vous avez quitté bon Dieu, il y a le cherche quand même, il mène dans l'église. Et l'elle mène dans l'église, elle mène pour t'en déparer. Et pour qu'on soit capable de produire changement dans la vie. Le Saint-Esprit envahit environnement, moun, environnement nous. Pour capable montrer nous bon Dieu par trois façons. Les hommes ont cherché la vérité par les méthodes scientifiques. Mais Dieu, il n'a pas cherché la vérité ou pas capable joindre ni par les méthodes scientifiques, mais bon Dieu ba nous trois moyens pour nous joindre. Bon Dieu ba nous la révélation, il ba nous l'inspiration, il ba nous l'illumination. Illumination, c'est illuminer bon Dieu illuminer. Ou bien le ba ou révélation ou bien le ba ou inspiration. Donc c'est trois processus ça au bon Dieu ba nous qui pour permettre que nous découvrir vérité sur lui. Méthode que l'homme utilise pour trouver la vérité, c'est impossible. Mais bon Dieu ba nous moyen nous-mêmes pour nous joindre la vérité. Donc le Saint-Esprit c'est agent de communication, c'est agent de transmission de la vérité divine. Donc c'est à travers le Saint-Esprit bon Dieu parle avec nous. Nous là, c'est à travers le Saint-Esprit bon Dieu communique avec nous. C'est à travers le Saint-Esprit, bon Dieu, bah nous, tout ça pour le bah nous. C'est à travers le Saint-Esprit, bon Dieu, lui communiquer, lui dit nous ça le gagne pour le dire avec nous. La vérité, la sagesse de Dieu, c'est l'évangile qui sont mystères. Vérité sous bon Dieu, la sagesse de Dieu, c'est l'évangile qui c'est un mystère pour nous. Qui monde qui trouvait que lui bizarre? Comment pour bon Dieu dans le ciel là, qui sont êtres spirituels, qui purs, qui saints, faire vite faire le monde? L'homme n'a pas saisi ça. Comment Jésus fait incarner? Qui c'est Dieu dans le ciel là, qui saint, qui tout puissant, vite faire le monde. Et il grandit dans le temps nous. Li fait 3 ans et demi à prêcher dans mitan nous. Li mouri nous touyel.
Il est levé après 3 jours. Il parlait avec nous. Et après, il montait dans le ciel. Les hommes pas qu'à saisir ça. Et c'est ça que un pile monde dit, c'est impossible. Comment pour bon Dieu qu'à venir, moun même j'avais nous, c'est impossible. Et yon pas qu'à quoi ça, et yon pas accepté. Et c'est ça que fait les scientifiques dans la recherche qu'il a fait, il a dou toute bagaille, il a parlé de milliards d'années de lumière, de, c'est de l'autre bagaille il a parlé, le théorie, la théorie de Big Bang, comment le monde fait créer, quand le monde fait venir, donc c'est théorie Big Bang, c'est une explosion qui fait le monde exister. Parce que yon pas capable de joindre la vérité, parce que la méthode yon utilisé là, méthode ça, son méthode qui va amener le monde vers bon Dieu. Il y a toute théorie qui gagne pour montrer que question de bon Dieu, nous n'avons pas besoin de parler de ça. Alors que Dieu est le créateur de toutes choses. Connaissance détournée de bon Dieu, et c'est ça qui fait même, il n'y a tellement pas qu'à comprendre le mystère bon Dieu, Jésus qui vient sous vous, Dieu a vient sauver vous, il n'y a pas compris si c'est Jésus. Et texte a dit, c'est des connaissances que mon Dieu serrait même pour qu'il soit capable de crucifier Jésus, pour nous être capable de sauver. Dans Deutéronome 21, verset 23, il parlait nous de maudit savoir celui qui est pendu au bois. Les Juifs pas qu'à accepter que Jésus, c'était Dieu le théier, parce que Jésus pend sur un bois. Et puisque Jésus mourit sur un bois, c'était l'un mort qui est plus humiliant. C'est l'un mort, moun qui maudit. Donc, il dit, comment pour faire bon Dieu, ta descente vient mourir sous yon bois, que mort ça, son mort, moun qui maudit. Et c'est ça que fait un moun qui dit Jésus maudit. Parce que Jésus, pataka, vient mourir yon mort pareil. Les hommes pas qu'à comprendre, les Juifs, ils dit, Jésus pas Dieu. Raison, c'est que Jésus mourit, il y a un mot qui est plus humiliant. Deutéronome 21 et 23 dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc, son malédiction pour un monde ou mourir sous bois. Mais les hommes oubliés. Faut que Jésus te mourit, bon malédiction, parce que c'est malédiction pour ma vol poté. C'est malédiction juif pour le poté. Et c'est pour le poté malédiction de eux même qui fait pour un mot de malédiction. Mais où dit Jésus, il n'est pas capable Dieu pour être capable de mourir en mort maudit. Gon l'autre groupe monde qui est les gnostiques, religion et le gnosticisme. Ils ont même dit tout ça physique, tout ça naturel pas bon. Seul ça qui est bon, c'est ça spirituel. Ils ont dit Jésus, t'es naturel, Jésus, t'es physique. Donc Jésus pas bon. Les Jésus t'a baptisé, Esprit Christ la descend sur Jésus. Mais les Jésus pour le crucifier, Esprit Christ la tourné dans le ciel là. Vous entendez? Ça c'est gnosticisme, c'est eux même qui dit qui fait déclaration ça, c'est croyance pas yo. Donc c'est pour montrer que question de Jésus n'a pas là, yo pas que là-dedans. Et les Juifs ont dit que yo pas croire dans Jésus parce que et Juifs pas qu'on enterré dans tombeau, Juifs c'est dans terre enterré. Et c'est ça que fait les al chercher Jésus dans tombeau, yo pas qu'à venir famille prendre y a l'enterrer dans terre et pas ressusciter. Jusqu'à présent c'est ça Juifs qui dit. Nous comprenons ça? Donc nous rappelons que yo payé et gardio pour gardio dit c'est disciple qui vient pour Jésus. Jésus va ressusciter vrai. Et ça a propulsé, et les Juifs ont cru que Jésus va ressusciter vrai. Et c'est ça que fait Paul dit. Connaissance, ça, c'est des connaissances qui cachées. C'est des connaissances qui monde pas capable de connaître. Donc, le Saint-Esprit transmet nous connaissances sous bon Dieu. L'Esprit connaît parfaitement la pensée de Dieu. C'est seul l'Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Dieu servit des anges pour qu'il soit capable de rendre service à l'homme. Mais bon Dieu pas confié la révélation de la nouvelle alliance à un ange. Bon Dieu utilise les hommes en pile monde pour qu'il soit capable de
fait des révélations. Tout message que on monde recevoir, les écrivains bibliques, ils ont tous sorti du Saint-Esprit. Aucune prophétie n'a été annoncée s'il pas poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui poussait les hommes à parler de la part de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7, Paul fait une déclaration. Paul dit, pourquoi, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause des révélations de Dieu. Bon Dieu, bon moi, on échad. Et le bon moi, on ange de Satan qui a soufflé thème jour et nuit, qui pour empêcher mon orgueilleux à cause des révélations que bon Dieu ban moi. Donc bon Dieu tellement bail Paul des révélations. Donc si Paul pas de gagner un échad, on l'aime à expliquer nous ça que échad là. Si Paul pas de gagner un ange de Satan qui a soufflé téli pour nous connaître comment bon Dieu fait voyons ange de Satan pour souffler tes Paul pour Paul pas jamais lever tête li pour gronder devant moun raison c'est que il gagne qui ça il gagne un bagaille qui a pesé li qui empêchait que le correct juste pour pas orgueilleux à cause des révélations. Cela veut dire que si bon Dieu pas te permettre Paul gros problème Paul tellement jeune bagaille de bon Dieu Paul doit faire le tourner Dieu mais pour empêcher que Paul fait ça bon Dieu, bah, li yon ange de Satan qui a soufflé tel chaque jour et on échade qui fait le pas capable de sous moun. Paul gon bagay qui a péché le rete sous moun. Et c'est ça que fait Paul, pas de orgueil pour descendre orgueil Paul. Et Paul font l'autre déclaration dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Paul dit comme ça, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Dans le temps, pas yon moun qui te kon bagay ça. Tout moun te konne l'or mouri. Ou mourir net. C'est mon mystère, frères et sœurs. Tout le monde te connaît l'homme ou mourir net. Mais Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire, nous, les Jésus vini, qui viennent vivant, qui sauver, qui passer par la mort. Mais les hommes battent comme ça. Son révélation que bon Dieu bali et son mystère. Voici, je vous dis un mystère. Donc, bon Dieu, bat nous des connaissances que les hommes d'autrefois n'ont pas gagné. Et c'est ça que nous dit la révélation est progressive. Il y a des bagailles qu'on pas connaît dans le temps, au fur et à mesure, bon Dieu permet qu'on connaisse. Bon Dieu permet que vous gagniez type de connaissance. Et c'est ça que bon Dieu voyait le Saint-Esprit pour révéler nous sagesse, bon Dieu, à mon qui croit. Le processus d'inspiration, livre dit que l'homme pas capable de découvrir vérité bon Dieu, mais bon Dieu permet à l'homme recevoir ou pas chercher, mais ou recevoir. Donc bon Dieu permet que nous recevoir ça que nous pas capable de joindre de par nous-mêmes. Le processus de révélation et d'inspiration n'est pas fait pour toute l'Église, n'est pas fait pour tout chrétien. Partie révélation, inspiration, il fait seulement pour les écrivains bibliques. Mais partie illumination, il fait pour toute l'Église. Et c'est parce que le Saint-Esprit illumine nous qui permet de nous lire un texte, nous prier, bon Dieu fait nous comprendre. Et ça fait dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur moi. Donc c'est l'Esprit Saint, l'homme prend la Bible, ou lit le texte là, ou prier, bon Dieu permette que vous compreniez. Ou pas besoin de faire philosophie pour comprendre. Ou pas besoin de faire théologie pour comprendre. Ou pas besoin de faire doctorat pour comprendre. Ou pas besoin de faire gros classe pour comprendre. Et pour lire, bon Dieu a fait comprendre. Il y a des gens qui racontent des histoires, il y a des gens qui ne peuvent pas lire du tout. Qui ne peuvent pas lire, il faut lire le texte là pour eux. Lorsqu'il lit le texte là pour eux, yo prêcher ce texte là. Pourquoi nous comprenons ça? Yon moun ki pa konn li, li dou li verset a pou mwen. Lo fin li verset a pou li, li bon explication sur verset a. D'après vous même, c'est connaissance qui ba explication, c'est le Saint-Esprit qui permet li ba ou explication. Et ça fait dans question de la Bible, c'est le Saint-Esprit qui permet moun comprendre.
Prédicateur a li campé le prêcher, mais c'est l'Esprit Saint qui permet ça la bien entrer dans les oreilles monde pour monde capable comprendre ni. Donc connaissance que l'homme possédait pas qu'à permettre l'homme faire monde comprendre, c'est seul le Saint-Esprit qui faut comprendre. Connaissance que l'homme possédait pas qu'à permettre que vous connaissez la vérité sur bon Dieu, c'est le Saint-Esprit seul qui capable permettre qu'on comprenne parole bon Dieu. Quel que soit niveau tu gagné, quel que soit recherche côté capacité pour faire, seul le Saint-Esprit est capable pour le permettre qu'on comprenne parole bon Dieu. Donc processus de illumination, c'est nous toutes qui gagnons et c'est lui qui permet moi avec vous nous comprendre. Nous dit révélation, inspiration, li concerner les écrivains bibliques, mais illumination, li pour lire les écrivains bibliques, li pour nous toutes. Et c'est ça que fait nous pas lire la Bible sans la prière. Et je dis, c'est le moment qui est plus important pour nous lire la Bible. Parce que trop de choses qui passent, trop de choses qui dit. Dans les choses qui dit, dans les choses qui parlent, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui pour permettre que nous comprenions. Et pour nous comprendre, c'est à travers la parole de Dieu. Comparer, ça nous est avec la parole de Dieu. Il y a des choses qui nous ne pas répondre à la question. Il y a des choses que la Bible pas dit en un sou. C'est pas ça? Il y a des questions que nous posons, nous, la Bible pas dit en un sou. Gon bagay gon terminologie ou les zones grises de la vie chrétienne. Nous connons ça que les zones grises de la vie chrétienne non? Nous on bagay qui gris, on bagay qui gen bouya, et pas ça? C'est nous pas. La Bible pas dit nous rien sous li. Les noirs venons qui fait doctorat pas dit nous rien sous li. Yo relé ça les zones grises de la vie chrétienne. Ils sont qui bouillé yo qu'on sont fait? Le bon Dieu ba nous conscience nous comme qui ça? Comme gardien. Est-ce que nous tous nous connaissons bon Dieu ba nous conscience comme gardien? Hein? Est-ce que l'église là connaît que bon Dieu nous conscience nous comme gardien? Et le Saint-Esprit, d'où ça le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit utilise conscience comme instrument pour le parler avant. Tout ça la Bible pas dit. Tout ça va gagner dans le monde dit, met à genoux et demandez bon Dieu pour l'indiquer. Le Saint-Esprit a utilisé conscience comme instrument pour le parler avec vous. Et c'est ça qui fait qu'il y a deux bagages que la Bible pas dans rien sous lui, dit mon nom. Priez bon Dieu. Si conscience ou pas douan, continuez. Mais si vous conscience ou non pas faire parce qu'on péché. Tout ce qu'on a fait, vous conscience ou non, ou péché. Et c'est ça que fait les zones grises de la vie, c'est pour rejoindre bon Dieu ou même. Ça, l'éternel, m'a pas comprendre ni, personne m'a pas expliquer ni, m'a pas dans la Bible. Rejoindre bon Dieu. Et bon Dieu, à travers le Saint-Esprit, à travers conscience ou, la parler avec vous, la d'où est-ce que ou qu'a continuer faire ça, est-ce qu'on pas de continuer faire. Il y a des questions les hommes pas répondre. Vous entendez ça me dire? Il y a des questions quel que soit niveau partiel pas répondre. Il y a des questions la Bible pas répondre. Mais bagaille les zones grises de la vie chrétienne, aljoine bon Dieu va parler à conscience ou, il va d'où est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on pas de faire. Des pour ouais conscience ou reposer camper. Nous avons moi des pour conscience ou repos au camp même lorsqu'on est XL dit lui même ni prier il pas dit rien quitter le fait m'a pas un exemple moun qui dans un signe ou noter ou bien doit faire 4 heures de temps 5 heures de temps de travail mais faut mettre 8 heures de temps même qu'on pas faire 8 heures de temps de travail faut mettre 8 heures de temps. Ça, c'est les zones grises de la vie chrétienne. Aljoine bon Dieu pour qu'on qui ça pour faire. Gon l'autre zone grise de la vie chrétienne encore. Les n'a fil taxes. On sait de bagaille nous faire maintenant taxe ça pour nous. Bagaille qui va même exister soit pour nous pas payer. Ou du moins pour nous faire plus comme. Ah, bah, on est là. Donc, aljoine bon Dieu dans ce sens-là. Pour est-ce qu'on bien fait, est-ce qu'on va bien faire? Parce que. Nous en pile penser c'est les moun fait adultère, c'est les moun voler au péché. Pour nous même moun bay menti pas péché. Pour nous même moun mépriser moun pas péché. Pour nous même orgueil pas péché. Pour nous même hypocrisie pas péché. Donc tout ça yo c'est pour nous prier bon Dieu pour le retirer dans cœur nous pour le permettre que nous capable devenir moun qu'il veut. Empirisme méthode ça, pas capable de mener nous par bon Dieu. Parce que vous menez vers ça, vous tendez et vers ça, vous ouais.
Connaissance sous bon Dieu, ce n'est pas sous soi, ouais, sous entendre. Connaissance sous bon Dieu, c'est le Saint-Esprit qui baille. Connaissance sous bon Dieu, c'est la Bible qui baille. Bon Dieu, révèle-nous ça que les oreilles pas de jambes tendez, ça que les yeux pas de jambes ouais, ça qui pas de jambes monter dans le cœur mounio, c'est l'évangile qui sont mystère que les hommes jusqu'à aujourd'hui pas capable de comprendre. Mais bon Dieu, permette moi-même avec vous, nous comprendre l'évangile. Et ça que fait Paul dit, la prédication de l'évangile est voilée, pour qui est-ce? Alléluia. La prédication de l'évangile est voilée pour le monde qui a péri. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes puissance. Et que personne n'est capable de camper devant puissance ça. Frères et sœurs, en prêcher l'évangile. Frères et sœurs, en attachez nous avec la parole de Dieu. Et qu'ainsi nous va devenir chrétiens que bon Dieu voulait, que le Seigneur vous bénisse. Ça nous dit l'Église. Dis bon Dieu merci de ce que il parlait à cœur nous. Il était seulement pour nous pratiquer. Parole ça qui c'est parole bon Dieu. Hein? C'est lui-même nous pral chanter dans 135 livre sacré. Lumière excellente. N'a chanté debout strophe ça yo juste avant que nous prions. Numéro 135. Livre sacré, lumière étincelante qui de la nuit perçu l'obscurité. Révèle à tous ta bonté rayonnante et dans les cœurs fais briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage où vers le ciel j'avance chaque jour. Commence en toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin. C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Chaque jour, rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre divin, ô céleste message de vérité. Conduis mes pas dans le pèlerinage vers le ciel, j'avance chaque jour. Sous
si bas, mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, pour les élus, on le croire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, vers le ciel, j'avance chaque jour. Parole là où c'est un flambeau qui conduit nous vers l'éternité. Au Seigneur, merci pour parole là. Merci de ce que depuis 6 heures du matin, nous sommes là. Nous t'a prié pour te débloquer nous. Et qu'on y a, Seigneur, nous pour rentrer la caille nous. Seigneur, ça n'a pas demandé. Même l'on pas fait pour tout le monde l'église là. Mais débloquons petit nous, Seigneur, qui marre. Débloquons famille nous qui enchaîné. Débloquons monde nous, Seigneur, qui nous épasse. Débloquez, Seigneur Jésus, l'église là. Et n'a témoigné grandeur. Nous pouvons rentrer la caille nous. Que Père ou grâce ou et bénédiction sans mesure capable de reposer sur nous chaque. Parce que nous prions dans Jésus. Amen. Nous disons merci à tout le monde qui était là ensemble avec nous depuis le matin. Et nous souhaitons que nous avons passé cette semaine en beauté. Et ça, d'ici la semaine prochaine, et pas oublier mercredi prochain, nous avons gagné pour nous retourner ici encore. Nous avons gagné, pas déplacé non, puis nous avons besoin de nous dire quelques mots pour nous dire ensemble avec vous. Très spécial. Et mercredi prochain, nous avons gagné. Comme nous disons, nous avons gagné moitié semaine de prière qui a commencé mercredi, vendredi, jeudi, vendredi. Et samedi, nous avons gagné une sainte scène et nous avons préparé nous pour ça. Et nous avons gagné un monde qui pourra parler avec nous pour quelques minutes. S'il vous plaît, nous quelques minutes, c'est très important. Et c'est M. Jean-Pierre et qui pourra aller gagner un programme éducation que nous voulons participer, nous voulons partager avec l'église là, pour monde qui gagne timoun et c'est très important pour parents et timoun. So, nous avons demandé s'il vous plaît pour nous capable prêter attention pour quelques mots et monsieur Jean-Pierre pour aller parler ensemble avec nous et nous avons demandé pour nous rester avec nous s'il vous plaît. Pas déplacer pour quelques minutes.
La paix avec vous, l'église. La paix avec vous. Salmiste dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais ce sont nous, les vivants, qui doivent lui rendre gloire. Comme pasteur vient de dire, non pas moi, c'est Jean-Pierre Louis Saint, maître Jean-Pierre Louis Saint. Nous avons un programme que nous voulons inviter au. Programme ça, c'est le parenting class. C'est un programme qui est le parenting class. C'est classe pour famille. Et de nos jours, ce serait osé de notre part pour nous dire que ou pas qu'on comment pour élever petit. Mais autant que nous vivons, et science a développé, nature a développé, monde a changé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a un pile de fois que nous-mêmes, gens que nos parents nous t'apprennent nous, c'est pas comme ça que nous-mêmes nous pral éduquer petit nous. N'a bon un exemple qui est très clair. Dans le temps, l'on était petit, parents nous t'empêchaient nous garder grand monde dans les yeux. Mais tête ou tes petit monde, mal élevé, pas garder grand monde dans les yeux. De nos jours, c'est différent. Yo mando pour Timounan gado droite dans yo. Le gado droite dans yo pour qui ça? Cela veut dire que li ou li fok message que wa bay li en passé. Cela veut dire li gado dans yo, li pote attention à ça wa di là et ensuite li tande ou li comprend nous et puis li bon réponse là. C'est dans optique ça qui permet à ce que nous présenter programme ça devant son programme qui gagne près de 14 ans. 14 ans côté la fête dans toute l'école presque et surtout dans l'école congréganiste. Donc yo apprend nous comment pour bailler formation avec petit tout et ou même au sein de famille monsieur marié, madame marié cap vive dans pile bagaille que nous ouais dans pile bagaille que nous pas connaît sans connaît hein, li pas gain valeur de yon moutarde yon petit prise tête mais sans pas connaît hein, c'est un océan. C'est dans optique ça qui permet que nous voulons dire si moun ça qui devant là qui gain 3 ans qui gain 4 ans ensemble avec ou là dans 10 ans encore ou pas connait qui cela devenu. C'est dans la raison ça que on fait une sorte de prévention. Prévention, hein, c'est juste pour annoncer, pour préparer futur petit tout. Nous baillons formation ça de 3 à 17 ans. Chaque timoun apprend formation pali pour connaître comment pour agir avec parents et au même tout ou apprend formation pour connaître comment pour préparer futur timoun. C'est pas un problème pour personne. En pile des fois timoun yo attend leur 18 ans pour yo abandonner parents yo pour yo aller dans collège pour quitter la caille parents yo. Mais avec formation que nous-mêmes n'a baou timoun ça c'est avec en pile difficulté pour ta quitter la caille pour te partir aller loin. Des fois timoun n'a pas tout par contre qui ça qui a pour retourner la caïwa. Donc ou fait timoun nan ou c'est ou même qui là qui responsable qui comme si m'a dit ou qui là dans l'heure et malheur dans dormi dans maladie dans toutes sortes de calamités dans toutes sortes de problèmes ou là pour timoun nan. Mais automatiquement si on a un petit problème il sont tombé là bras cassé l'état tout prêt pour prendre la main le prend la main donc on y a on va passer 2 à 3 ans à monter descendre jour et chaque jour au jour le jour et on pas qu'à rater you rendez-vous avant pour baoul il y a voyo à prendre parenting class ça que nous-mêmes n'a offrir là le nous offrir ou li on y a ou même pour le payer pour lui
pour barou 14 sessions dans 3 heures, dans 3 à 4 heures de temps. Et nous-mêmes, nous offrons gratuitement. Qui avantage ça gagne là-dedans? Après que nous finissons ou faire une formation avec vous-même, eh bien, vous recevez un certificat. Certificat, ça, il est capable ou capable présenter avec lui dans 52 États. Et si jamais que l'État t'apprend, si moun sa nan men ou t'a présenté un certificat, il y a pourquoi qu'on son parent qui avisé. Ou son parent avisé, côté que ou t'es apprendre ou erreur qu'a passé. De ce fait, et qui ça qui en dans pile l'autre bénéfice encore que nous capables de joindre. De ce fait, si cela vous intéresse, nous pas aucun problème avec vous, nous capables de paraître, nous capables de prendre nom et puis. Nous prenons le numéro de téléphone, nous relayons dans la semaine pour nous faire lien ensemble avec vous-même. Ok, question nous. Ok, n'a pas fait classe là, comment n'a pas fait? N'a pas fait une fois par semaine ou bien une fois, combien de sessions lié? Ok, c'est 14 sessions. Ok. À raison de une fois par semaine. Ok, une fois par semaine. Et ce qu'il est nous programmé pour nous faire. Nous programmer, nos programmations pral dépendre de effectif que nous joignons et puis côté que moun yo tout moun répond présent et puis nous même n'a commencé ensemble. Okay, parce que actuellement là, nous fait côté par la voie là, bon classe qui a fonctionné. OK, so, cela veut dire que est-ce que nous classe là gain lieu dans l'église là? Ou bien comment et c'est nous une possibilité pour nous gagner place dans l'église à la même pasteur tout dépend de vous-même si vous voulez à ce que nous fassions dans l'église là ce serait enchanté okay. Si vous voulez nous venir dans l'église là dans la caillou c'est pas un problème pour nous-mêmes au contraire ça fait nous grand plaisir OK so, cela veut dire que est-ce que nous avons une quantité de monde qui n'a besoin qui pour atteindre place là autant que nous capables de moun n'a prend. OK. Et so, ça veut dire que à la fin de classe là, n'a bien est-ce que nous avons une graduation? Oui, là nous parler de graduation, nous carré, nous pouvons faire un bagage extravagance. Nous ca réunis ensemble, nous manger ensemble, ensuite nous bon certificat. Okay. Et ce pour dire si jamais que nous gagnons un monde qui t'a gagné un problème et de transportation, nous charger à chaque fois que vous avez venu pour nous bon, yon quatre boss que vous avez dit qui a duré pendant 8 jours là, et puis pour capable venir sans problème. Amen. Donc cela veut dire que pour classe là, ça veut dire que pour monde qui participent yo, y a pas de problème. J'avais dit que depuis yo vous venir, so gain transportation, gain arrangement transportation. Gain arrangement, gain tout bagage et gain d'autres avantages toujours. Que d'autres bénéfices que nous capables bénéficier d'autres avantages que nous capables bénéficier mais nous pas capables étaler le baou là qu'on y est là mais l'ovini nous va gagner chance pour nous expliquer tout ça que nous même on va joindre en retour okay. So, ça veut dire que nous tendez tout ça yo dit là tout le monde qui gagne petit monde de 3 ans à 17 ans 3 ans à 17 ans so nous ça veut dire que nous inviter pour capable participer dans classe ça pour nous inscrire pour classe là. So, nous pas besoin peur pour transportation, yo dit nous pas gain problème. C'est avec dit c'est just by nous by nos petit tout pour classe là capable gain lieu. Et moi crois que yo dit que classe là gain possibilité tout pour nous capable s'il capable faire online tout. But moi crois c'est si tout le monde t'a faire live en personne, moi crois il t'a plus bénéfique toujours. Oui, dans le temps à l'aide de pandémie, elle était qu'on fait online, elle était qu'on fait sous Zoom. Côté que moi c'est un professeur yo. OK. Il était fait sous Zoom mais qu'on il a nous voulait faire et face to face. OK. OK, ça qui est important qu'on y a qui est monde qui voulait participer, monde qui gain petite qui voulait bail non yo pour participer dans classe là. OK, ça veut dire que même là que nous pas bail non nous qu'on y a, ça pas gain problème. Département d'éducation, moi-même, et nous gagnons Sœur Nazariel, nous gagnons Sœur Géraldine, so nous capables bail nous, bail nos parents et tout le monde, so à partir de 3 ans jusqu'à 17 ans, so cela veut dire que pour bail nous, et nous-mêmes, nous va gagner communication avec les professeurs,
et puis nous connaissons qui l'heure que la classe a commencé. Ok? So nous croyons que tout le monde entendait nous. Et nous apprécions le service. Oui? Merci, pasteur. Et nous disons merci du fait que tu as sacrifié tant pour tes temps des moines. Ah, ok, merci. Nous sommes capables de communiquer ensemble avec nous. Et puis nous-mêmes, nous allons communiquer avec les professeurs. Pas de problème, pasteur. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu.